à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Discovery Trotter. Cette fois-ci, nous irons dans la rue Dante, une rue où vous découvrirez plein de boutiques, de livres, d'affiches. Bonne visite à tous, en espérant que ce nouveau numéro va vous plaire. Allez, ciao ciao! Thank you.
Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, engloutir le vide d'une fausse célébrité, à deviser entre eux dans une onde désertée de l'exhibition molle des téléprisonniers, abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Comme une figure de style qu'on chantonnerait pour soi, comme un espoir craignant qu'un jour on ne le déçoit. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. 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 On est drôlement nombreux à élever des enfants, à les entendre dire plus tard quand je serai grand, employer au mieux leur entendement, à les aider à être humains intelligents. Cette application-là nous demande un plein temps. Mais parfois, tristement, ce qui vient, c'est du vent. C'est vraiment des phrases sottes du bon sens parlant. Ouais, hey. Ça tombera pas plus bas. Ça tombera.
L'intérêt de cet album, c'est qu'il est vraiment en très bon état. Donc là, on est sur une édition pendant la guerre, hein, donc évidemment, les albums se raréfiaient. Et on a un très beau dos, un plat magnifique, aussi bien qu'un deuxième plat également magnifique. Mm-hmm. Et on est sur un bel album, on va dire. Alors, d'abord sont sorties les éditions originales en noir et blanc. Oui. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une deuxième édition pour l'île noire. Faut savoir qu'en bande dessinée, l'intérêt, c'est d'abord l'état. Ensuite, il y a l'édition et ensuite la notoriété de l'auteur. Mm-hmm. Quand vous avez les trois réunis, ça fait jackpot, en gros. Voilà. Donc là, effectivement, je voulais le présenter comme une première. C'est qu'une troisième, mais elle est en parfait état. Alors, pareil, là, on est en édition 1944, qu'on appelle une édition dos blanc. Le dos est effectivement plus blanc que les albums qui vont sortir après. Mm-hmm. Mais l'état de cet album est magnifique. Alors, moi, j'aime beaucoup. On a juste une petite plissure ici, mais sinon... Oui, trois fois rien. Voilà, trois fois rien. Oui. Donc pendant deux ans, les gamins étaient fébriles à l'idée de retrouver cet album. Et lors de la sortie, en fait, tout le monde s'est rué sur son kiosque pour l'acheter. Et on le trouve rarement en bel état. Il y a toujours des salissures de mains de gamins sur les pages de garde. Très frotté, voilà. Voilà. Donc d'accord. On le trouve rarement en bel état. Puis il est fragile. Et il est fragile. Et c'est l'album mythique de Blake & Mortimer. Il y a le bois, il y a la résine, et il y a le plomb. Dans le bois, on va dire que le designer, entre guillemets, le plus célèbre, c'est Arutchev. Mm-hmm. Et donc là, on a un modèle d'Arutchev qui est intéressant parce qu'il est tiré seulement à 50 exemplaires, ce qui est très peu, noir et blanc, parmi un de ses premiers. Voilà. Donc il reprend, okay, évidemment une scène de Tintin au pays des Soviets.